tout le monde, c'est Sandria. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tutoriel. J'ai changé récemment ma petite technique en fait pour faire mon teint en ce moment. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus light, plus frais. J'ai aussi un faux tan, là, un auto-bronzant, voilà. Et du coup, ben, j'avais besoin de changer un petit peu les produits que j'utilisais parce que j'avais pas la bonne couleur. En fait, le truc que j'aime le plus, c'est qu'il y a tellement peu de produits sur mon visage. Il y en a quand même, hein. Il y en a quand même, youtubeuse beauté, bon voilà, on va pas changer qui je suis, mais c'est plus light, c'est plus soft et je sens beaucoup moins ce que j'ai sur le visage, au point où j'arrive à m'endormir avec. C'est pas un truc qu'il faut faire, mais je suis devant la télé et je m'endors et voilà, ça arrive, tant pis, tant pis. Bref, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. Moi j'arrête de parler parce que clairement, clairement aujourd'hui j'ai le cerveau qui va un petit peu... partout. Je vous laisse regarder ce tutoriel et on se retrouve après. Donc c'est parti, on va faire en sorte de rendre cette tête un petit peu moins blanche, qu'on a l'impression qu'elle fait partie du corps. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint. En ce moment j'utilise le Next to Nothing de MAC. La raison pour laquelle j'utilise, c'est parce que c'est pratiquement de l'eau, ce truc là en fait. Il y a un petit pigment léger qui aide à unifier un peu le teint, mais c'est pas extrême en fait. Et justement, pour apporter un tout petit peu plus de couvrance, j'utilise comme d'hab mon Shape Tape de Tarte. Je vais le mettre donc sous mes yeux, le long du nez, juste là aux deux coins de mon nez, le menton et légèrement aussi sur le front. Vous pouvez voir que c'est bien moins que ce que je fais d'habitude. Mais bon, voilà, j'ai quand même quelques zones à couvrir, surtout mes cernes, c'est le truc le pire. Une fois que c'est fait, je vais sceller le tout avec ma petite poudre et c'est une poudre en fait qui est teintée et qui va apporter un tout petit peu plus de couvrance. Je connaissais déjà cette poudre et c'est pas la première fois que j'utilise, mais je l'avais un peu mise de côté et là je viens de la reprendre et bon sang qu'est-ce qu'elle est belle. Bon sang qu'est-ce qu'elle est belle. Je la presse comme ça de cette manière pour flouter complètement les pores. Bon, presque complètement. Et enfin voilà, j'en suis dingue, je l'aime, je l'aime. Parce que c'est l'été, je me suis remise à sortir ce produit-ci. Donc ça, c'est le Soleil Tan de Chanel. C'est un bronzer crème que j'adore pendant l'été. Pendant l'hiver, je peux pas me le permettre trop parce qu'il est très doré. Et vu que j'utilise un peu moins d'autobronzant l'hiver, c'est un peu plus compliqué avec le teint aussi blanc que j'ai. Mais l'été, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je vais ensuite mettre une petite pointe de blush. C'est un blush vraiment très irisé, un peu pêche. J'aime beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, je vais prendre mon highlighter. Et ça, c'est le Opal en ce moment avec mon teint bronzé. Je trouve que cette couleur est juste sublime. Ça fait vraiment très, vous savez, je sais pas, déesse du soleil. Je raconte des bêtises. Je vais ensuite remplir mes sourcils avec cette petite poudre. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que je les ai fait tatouer bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et j'ai fait la première séance et je vais retourner faire la deuxième séance au mois d'août. Il reste encore quelques petits trous, donc je continue à la remplir légèrement avec de la poudre, mais pratiquement plus rien en fait. Et c'est la révolution, j'ai plus besoin de redessiner complètement mes sourcils. C'est une merveille. Je vais ensuite prendre mon mascara chouchou. Qu'est-ce que je l'aime ce mascara, c'est un truc de malade. Je l'ai découvert et depuis je ne peux même pas m'en séparer parce que ça donne des cils tellement dinguissimes, mais on a l'impression qu'ils sont quand même un peu naturels. C'est trop bizarre, c'est assez glauque. Donc bref, moi j'adore et je suis heureuse de l'avoir découverte. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous le recommande à 200%. Je finis avec une petite pointe de gloss coloré. J'aime beaucoup cette teinte en fait parce que c'est une teinte qui ressemble pas mal à la couleur de mes lèvres. Donc j'en mets un tout petit peu au centre et ensuite je vais venir l'étaler avec le bout de mon doigt pour ne pas avoir trop de produit. Colorer les lèvres sans avoir trop. Et donc voilà, ça c'est mon go-to look du moment. Mon teint, mes cils, mes sourcils, mes lèvres. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Laissez-moi, PS, dans les commentaires, laissez-moi des recommandations, des idées, des envies que vous avez pour des tutoriels make-up un petit peu plus osés, folkloriques, loufoques,
colorées, etc. C'est ce que je préfère faire et j'ai un petit peu envie de voir ce que vous aimez le plus et ce que vous avez envie de voir le plus sur la chaîne. Donc bref, moi j'arrête tout de suite, je vous fais des gros bisous et on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi est-ce que je me suis coupée comme ça, on avait l'impression que c'était un robot. Très bientôt dans une prochaine vidéo. Ok, bye. Mouah. Oh pardon. Toutou YouTube. J'ai dormi avec mes cheveux mouillés. Ça me fait un truc trop bizarre. Ça me fait une tête d'œuf en fait. Ça gonflait comme ça. Quand j'ai dormi, j'ai dû avoir mes cheveux qui ont fait comme ça et du coup ça me fait une tête d'œuf. Encore plus que d'habitude du moins. Ma communauté, elle est là et elle me soutient. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça m'encourage, ça fait du bien et ça fait toujours plaisir. Donc... c'est ma vidéo ça, il y a ma vidéo qui vient après. Non non, je vais pas me voir. Non. Oh, il y a FedEx qui a été devant la maison.